Bonjour, monsieur. Voilà, je vous explique votre problème. J'ai ma Scénic aussi, ma voiture Scénic, comme votre voiture. Bon, excusez-moi, je comprends mieux que je parle français. Voilà, une moto comme celle-là, 1.5 DCI, marque Delphi. Pour savoir où se trouve le renifleur, se trouve ici, voilà, cette délite-là s'appelle le délite renifleur là. Ça. Mais il ne fait pas de problème, le renifleur, pour les DCI, il n'y a aucune réclamation sur le renifleur DCI. Voilà ça, le renifleur. Et puis, je vais expliquer comment savoir les défauts de votre voiture. Où se trouve le problème. Bon, pour votre problème sur votre Scénic, tu m'as dit qu'il consomme beaucoup d'huile. À 600 km, il consomme presque 2 litres d'huile ou 3 litres. Bon, votre problème se trouve dans deux choses. La première chose, si le turbo il est cassé, vous pouvez savoir comment le tester. On va pour tester les turbos, il faut bon de cette côté tu ne peux pas tester parce qu'il faut démonter le catalyseur et toutes les pièces d'ici est très difficile. Bon, pour les deux, l'autre côté d'avoir le moteur de cette côté là, vous trouvez une délite qui vient d'ici et marche jusqu'à le radiateur turbo sort d'ici avec l'autre délite qui vient d'ici. Il y a deux délites. Voilà. Ça, c'est partie de turbo. Pour savoir le turbo il est bien ou non, vous prendre les deux doigts ici et il y a un petit turbine ici au ventilateur. S'il y a beaucoup de jeu, il y a de l'huile qui coule d'ici. Beaucoup d'huile, c'est pas un peu, beaucoup. Il y a beaucoup de jus ici, en turbo. Ça, c'est le turbo est cassé. Il faut le changer. C'est ça votre problème. Ça, la première chose. La deuxième chose, il y a un problème dans le moteur 1.5 d'ici, là. Il y a, à chaque fois, il casse les pistons. Tout seul. Ça marche comme ça. À certains kilomètres, en 200 000, 150 000, il casse le piston. Je veux vous montrer comment il casse le piston. Bon. Le problème de cette piston-là, vous voyez comment il est cassé. Voilà. Cet côté, il est bon, mais cet côté, il est cassé, il est brûlé. Voilà, tarqt. Il est brûlé. Si vous trouvez beaucoup de jeu dans les turbos, beaucoup de jeu dans les turbines turbo, ça c'est un problème de turbo, il faut le changer après essayer. Si vous ne trouvez pas de jeu dans les turbos, il faut changer le moteur, parce que ça, cette piston il n'est pas réparable. Bon, le problème du piston, il sort l'huile avant les turbos, ici. Il sort l'huile et toujours directement à l'échappement, parce que le piston il est cassé dedans, il sort de l'huile de cette côté-là, au-dessus du turbo, voilà. Ça, c'est un problème qui se trouve toujours dans les moteurs HD, voilà. Tu vois beaucoup d'huile qui sort d'ici, voilà, comme il y a beaucoup d'huile qui sort d'ici. Voilà, c'est un problème du piston, il est cassé dedans, comme ça. Ça, si vous trouvez ce problème-là, il faut changer le moteur directement, il n'est pas réparable. Si vous trouvez beaucoup de jeu dans les parties turbo, vous pouvez les changer les turbos et après ainsi. Et à chaque fois, ils se trouvent les deux. Les pistons et les turbos. Les deux se trouvent dans ces moteurs-là HD ou LDCI. Et merci pour votre confiance. J'espère que tu ne trouves rien sur votre voiture. Et s'il y a des autres explications, vous pouvez me dire, je te fais une vidéo. Merci.